nous avons avant tout pensé à l'enfant. Et nous sommes posé la question de savoir quel serait l'état d'esprit de cet enfant lorsqu'adolescent, il apprendrait qu'il a été en quelque sorte vendu par sa vraie mère au moment même de la conception. Un des membres du comité, qui n'est pas un médecin, mais un biologiste, a dit qu'il s'agit d'abandon d'enfant avec préméditation. Et vous voyez qu'on peut employer des mots variables, et je ne sous-estime pas la très grande détresse des couples stériles.